Les gens, j'espère que ça va bien. On est reparti. Ça faisait longtemps, ça fait un petit moment hein, que j'ai pas joué là parce que, effectivement, je joue autant avec d'autres comptes, mais ce compte-là, je l'avais pas démarré depuis un certain temps. D'ailleurs, je t'ai vu connecté, Tony. Je t'ai fait une petite demande, mais je vois que tu es très occupé. Hein, ma demande a été envoyée. Donc, je vais quand même faire ce petit match à 500 000, hein, le petit match habituel que l'on fait régulièrement avec Kelly. Kelly. Level 111. En espérant que ce soit un match intéressant, il y a du level. Il y a du level, il y a un bon ratio. Donc, du coup, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc, on va profiter. Ah ouais, je suis bête parce qu'en plus, il y a une très bonne, un très bon engagement à faire avec ces pions. Tu vois ce que je tente ou pas? C'est n'importe quoi. On a tenté l'angle en fait. Mais ouais, comme il faut reprendre un petit peu. Oh putain, il lui a remis, mais pile poil dans le trou quoi. Sérieux, vous pouvez pas lui remettre mieux quoi. C'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Et là, tu marques, hein. Mais par contre, moi je rebondis contre la paroi. Là, je marque. Si tout se fait exactement. Ouais. Si tout se faisait exactement comme j'avais voulu. Oui, ça l'aurait fait. Ouais, on crée le trou en fait. On crée le petit trou afin de pouvoir y passer la balle. N'oublions pas qu'il a un bon ratio, donc du coup. C'est peut-être un petit malin. Oh putain. Un petit peu plus basse. Ah ouais, non, je vais éviter les gros mots. Oui, parce qu'il y a ma fille qui est avec moi. Sachant que il n'y a pas école aujourd'hui parce que c'est la grève. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je peux m'octroyer du temps pour faire un petit match puisque je suis resté avec elle. Hein? Alors, tac, tac, tac. Voilà. Ouais, c'était juste un petit retour comme ça. Donc je pense qu'il va, ouais, percer. Est-ce que ma finesse est là ou pas? Faut pas toucher son pion du bas. Ma finesse n'est pas là en fait. Je vois dans ma tête ce que je voulais faire. Je pense que tu vois aussi. Mais hey, il a vraiment pas de chance. Hein. Il a un super ratio, mais je crois que c'est pas son jour. Tu vois, comme quoi, ça joue énormément le fait c'est ton jour, c'est pas ton jour. Tu vois, parce que level 111 avec 72% de ratio, mec. Alors, je sais pas s'il y a moyen de le gonfler, s'il y a des techniques de gonflage de ratio, mais ouais, c'est plutôt bien. Pas trop fort. Juste ce qu'il faut. C'est un peu n'importe quoi parce qu'en plus tu lui crées un beau trou. Ouais, ne refaites jamais ça. Hein, vous avez vu, c'était. Ouais. Je pense que pour ceux qui maîtrisent bien. Oh non. Eh, hey, t'as vu ou quoi? Regarde la formation qu'il a mise. C'est pas abusé? Ok. D'accord. Bah, j'ai aussi mis une formation starter de merde. Histoire de lui montrer que voilà. Ah, il sera allé, hein. Un peu de puissance, mais voilà. Elle y serait allée encore. Un peu de puissance, mais voilà. Non, là, je sentais qu'elle toucherait pas. Donc là, elle est plutôt inaccessible comme balle. Ok, j'essaie de comprendre le but de ton geste. Et je t'avoue que je ne comprends pas trop. Du coup, ça nous isole, mec. Ouais, ok. Bon, tu sais quoi? Je vais te laisser jouer tout seul parce que là, je crois que t'es bien. Viens détruire. Voilà. Viens détruire ma défense. Non, non, ouais, écoute. Tranquille, quoi. On va attendre. On va se mettre là. Donc, en fait, t'as 72% parce que t'es un mec qui bloque, qui énerve.
Et du coup, ton adversaire, comment ça? Ah ouais, bah ouais. Forcément. Forcément. À un moment ou à un autre, elle va aller dans tes cages. Je te dis, si tu la joues comme ça, ça va être tendu pour toi. Vraiment. Après, bon, c'est toi qui vois, hein. On vire ses pions. On essaie un peu de déstabiliser tout ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il il se sente oppressé. Ah putain, c'était pas ce pion que je voulais bouger. Arrête avec tes putains, José. Ok? On essaie de la ramener, qu'elle revienne. On vire un des pions. Ce qui fait qu'on n'en a plus que trois. Alors là, je vais essayer de m'insérer. Donc il faut que je passe au-dessus de celui-là. Voilà, m'insérer à ce niveau-là. Pour ensuite essayer une petite pénétration. Je sens que ça va pas être assez fort, tu vois, j'aurais pu faire plus fort. Non, la plus fort, elle serait restée sur place. Bon, en attendant, je les vois pas, je vois pas son skill de 72% sur le jeu en lui-même. Je vois que c'est un mec, voilà, qui s'est bloqué. Mais je crois que ça s'est donné à tout le monde. Et qui est patient, sans doute. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Vas-y, remets-la devant. Donc là, je pense qu'il va les mettre poteau du haut. Bon, je sais pas si t'as remarqué, c'est moi qui fais bouger le ballon depuis tout à l'heure. Hein. Lui, il fait que placer des pions devant le ballon. Et espérer éventuellement les placer chez moi, quoi. Donc j'ai beau essayer de percer. Bon, au moins, ça vous montre justement les techniques de perçage dont j'use et j'abuse, mais qui sont obligatoires face à des mecs comme ça, t'as pas le choix. Oh, il y allait encore. J'ai marqué 3 buts là. 3 buts juste en sympathie. Enfin, c'est même pas de la sympathie, c'est que comme ouais, j'y crois à moitié. On va dégager tout ça. Parce que là, de toute façon, il n'y a pas de renvoi possible de son côté. Autre. Ah, tu vois, je me démène, hein. Je me démène pour essayer de rendre le truc intéressant. C'est compliqué, hein. Je t'avoue, ce pion-là, c'est trop juste. Tu vois, ça le fait pas du tout. Et le pion d'en dessous, il touche trop, tu vois. Je peux pas aller au-dessus, sinon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oh putain, mais comme tout à l'heure en fait, t'y crois pas et puis voilà. Ouais, il y avait rebond sur pion que j'ai pas. Non, je t'avoue, j'ai pas du tout anticipé. Je l'ai fait là sans faire exprès, hein. C'était pas voulu. Voilà, je très franc avec toi, c'était pas voulu. Je l'ai fait là sans faire exprès. Cette balle dure longtemps, mais ça va, j'ai déjà eu plus inintéressant. Putain, il lui a bien placé. À chaque fois, il a la chance d'avoir des bons placements de pion en sortie de cage. C'est assez bluffant par moment. Ouais. Ah, c'était bien vu. Bien vu, mais je sentais bien que ce pion-là allait te gêner. Ouais, j'ai tenté le truc de merde, mais bon, voilà. J'y ai cru. Bon, là, ces deux pions sont bloqués, donc on peut pas faire grand-chose. Ouh, t'es sur ton coup, là? En mode double de rebond. Pire, elle monte. Ouais. Très, 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 très dangereux. Limite. Eh, mais mec, ils viennent d'où tes 72%? Sérieux, autant par moment je peux faire de la merde et me dire sur des tirs simples. Je crois qu'ils viennent de là. Regarde. Ils viennent. Non, ils viennent pas de là. Je sais pas d'où ils viennent en fait. Je sais pas d'où ils viennent. Bon là, fais attention, si tu la presses, ça va de ton côté. Ah, bien vu.
Ouh, ça met la pression tout ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Je vais te montrer, je suis fort aussi. Ah putain, c'est le truc de flèche que je vous disais sur ce téléphone qui me saoule. Mais bon, ça va, ça passe. Ouais, je suis fort aussi en coin. J'ai appris avec plein de mecs comme toi en fait. Ils m'ont formé. Donc j'ai appris à gérer tout ça. Super! Oh, le poteau, je l'ai ou pas? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, mais j'ai trop envie de tenter. On sait jamais, tu vois. J'avais trop envie. Tu vois, j'ai mis ma formation starter. Histoire de faire comme lui, tu vois. C'est une pseudo-provocation. On se place, en même temps, on vire un de ses pions. Il se place. Hop, on le déplace, mais par contre, on lui a fait une défense plutôt intéressante. Bien vu. On va tenter l'angle. Ouais. Un peu juste même au niveau de la puissance. Oh. Bien joué. Bien, bien joué. Parce qu'on est légèrement en défense. Bon là, s'il tente le double rebond sur mon pion, je suis assez mal. Parce qu'il peut là, hein. Il peut forcer sur le pion. Mais ça va. Écoute, on rend ton pion inutile. Enfin, à part pour dégager mes pions, mais voilà. Mais sinon, inutile. C'est surtout lui que je vais virer parce que... Oh putain, et puis lui sort du bon côté, quoi. J'avoue que sur les sorties de cage, à chaque fois, il a eu pas mal de chance. Donc là, il me mène 2-1, comme tu peux le voir en haut. Le match est assez long puisque on est victime de bonne défense. On renforce cette défense. Yep. C'est qu'on a... Ah, le truc de la flèche, je te jure, non mais c'est lourd. Parce qu'en plus, elle se trouve pile poil sous. Ah putain, pas trop fort, je voulais pas aussi forte. Bon, ça devrait être la fin. Mais comme souvent, il se rate sur ces tirs-là. Il s'est pas raté, donc il a marqué le but. Bon, j'ai pas été très bon sur ce match, hein, je sais pas ce que t'en dis. Écoute, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, hein, je te promets. J'ai essayé de voir si Tony est disponible, éventuellement, pour faire une partie. Hop, est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là? On va tenter une demande. Non. Bon, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt et kiffez la vie parce qu'elle vous kiffe grave.